Un mot sur ces joueurs là, du côté Montpellier, parce que c'est vrai que Mounier, ça fait partie des révélations de la saison. C'est un bon joueur pour toi, joueur d'avenir ? Beaucoup plus qu'un bon joueur. C'est peut-être l'avancante qui manquait à Montpellier depuis Olivier Giroud. Ils avaient beau tourner en rond, ils ne le trouvaient pas. Ils avaient des joueurs de côté. Ils ont essayé un ou deux avant-centres étrangers où ça a été un petit peu... Herrera. Une catastrophe, malheureusement, pour Montpellier. Puis le petit Mounier, là, le petit jeune, là, avec 12 buts, assez costaud physiquement, qui arrive à garder le ballon, qui est assez adroit devant le but et qui, encore, je pense, n'a pas autant d'expérience que ça. Ça peut être une bonne pioche pour Montpellier. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, si tu n'as pas un buteur dans une équipe, je veux dire, qui est là pour finir les actions, automatiquement, tu as des problèmes. Et là, c'est bien que Montpellier l'ait. Ouais, c'est clair, c'est pas mal Mounier du côté de Montpellier. Je regardais le classement là pour les Montpelliérains. Avec Gassé, évidemment, ils ont repris des couleurs. Hein. 13e avec 33 points. On rappelle que Dijon, qui est 18e, est barragiste à 27 points. Est-ce que 6 points, c'est suffisant ? Est-ce qu'ils sont déjà sortis d'affaire ? Non. 6 points, c'est pas suffisant. C'est tellement serré en bas, tu vois. Ça va tellement vite dans un sens comme dans l'autre que bon. Mais ils sont sur une dynamique qui est positive, faut le dire. Ça va mieux depuis que Gassé a repris l'équipe. Même si ça reste assez fébrile derrière et au milieu, je pense que c'est quand même une équipe qui a des joueurs offensifs de qualité à notre niveau de la Ligue 1. Moi, je pense que Montpellier va se sauver tranquillement. Mais là encore, regarde, si l'équipe de Dijon, qui est assez solide, puisqu'il n'y a que 1-0, avait Johnny, ouais, c'est ça Johnny l'attaquant qui Dijon. N'était pas là, hein, si ils arrivent à gagner, ça fait 30 points, automatiquement, c'est qu'à 3 points. Mm-hmm. Ça peut aller très très vite, cette position. Et de toute façon, on a dit, cette année, le maintien, ça va être one-man show.